Have you ever felt? Are you listening? Damn. Coucou les filles, écoutez, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul un petit peu cocooning, un petit peu voilà gourmandise, parce que je suis allée chez Lindt donc en Allemagne, mais alors où je peux pas vous dire parce que sur le ticket de caisse c'est pas marqué et en plus c'est in German, donc Vrinken Shop, ouais non mais Zwierbrunken, ça vous dit quelque chose? Zwierbrunken, bref. Du coup, c'était, on va dire, la sortie d'usine Lindt. Et du coup, j'ai trouvé quelques petites choses. Donc, et il me semble que Hélène LC, sur sa chaîne, avait trouvé ça aussi, puisqu'il me semble qu'elle est aussi de l'Est de la France. Du coup, je vais vous présenter un petit peu tout ça. J'en ai vu chez Super U, mais ça n'a pas du tout été les mêmes senteurs, enfin, parfums que moi. Donc, du coup, on a pris le Cookies and Cream. Donc c'est un chocolat aux cookies et à la crème, en gros. Il y a le Sunday Choco, donc chocolat au Sunday au chocolat. Il y a le Caramel Brownie, donc ça je vous fais pas un petit peu le truc, c'est Caramel Brownie quoi. Salted Caramel, et celui-là j'aime pas mais c'est pour Sébastien. Il y a le Sweet Popcorn. Voilà, il me semble que ça on en avait pris deux et on en a déjà testé et c'est vrai que ça sent le goût de popcorn mais après pas non plus besoin d'en faire une tartine quoi. Celui-là c'est Cookies and Cream, donc on a pris deux fois le même je suppose parce qu'il y a les siens et il y a les miens, ouais peut-être. Et il y a le Crunchy Nougat, pareil en deux exemplaires, Crunchy Nougat. Donc moi personnellement on a testé que le popcorn. Honnêtement, si toutes les tablettes sont comme ça, c'est pas la peine. Alors, la tablette était à 1,50€ pièce. Franchement, c'est pas la peine de dépenser autant pour ça. Honnêtement. Oui, on sent vaguement le goût de popcorn derrière, mais bon, c'est vrai que ça a été un petit peu une déception pour moi. Moi qui suis pas trop adepte de chocolat, à part vraiment, comme je vous dis, Kit Kat, Twix, choses comme ça, je pensais que vraiment Lindt allait avoir ce goût différent de la chocolaterie entre guillemets belge, mais non. Et ensuite, toujours pour rester dans les cocooning, chez Lidl. Je me suis trouvé aussi des petites choses comme ça, comme chez Action, mais moins cher que chez Action. Parce que chez Action, ils sont à 1€ et là, ils doivent être aux 79 centimes, un truc comme ça. Et c'est le chocolat à faire fondre dans du lait. Donc du coup, ça, c'est Speculoos Speziato. Donc visiblement avec un fondant Speculoos à l'intérieur. Et celui-là, c'est Arôme Vanille. Voilà, donc chocolat blanc, arôme vanille. Donc j'ai hâte de vous tester ça parce qu'honnêtement, moi c'est des petites choses que chez Action j'avais appréciées. Donc là pour le coup, avoir un peu des saveurs différentes, c'est plutôt pas mal. Donc c'était mon haul un petit peu mignardise, un petit peu chocolaterie. Mais c'était plus au final pour vous exprimer un petit peu ma déception quant à ça. Parce que honnêtement, alors je sais pas ce que vous savez, mais Val... Alors, Optischer Mangel Muglish. Muglish 2. Je sais pas, je pensais que c'était pour deux acheter une offerte, mais en fait, pas du tout. On n'a rien compris, en fait. C'était en allemand, mais on n'a rien compris. La meuf du stand, elle n'a pas pu nous aider non plus. Ensuite, on a pris... la marraine à Hugo a pris un petit pochon comme ça de Noël pour Hugo. Je sais pas combien elle l'a payé non plus, mais vraiment pas cher. Et du coup, moi, j'ai eu que craquer sur les tablettes parce que quand je les ai vues en stand, waouh, elles m'ont paru super. J'ai pris aussi un pochon avec un assortiment que vous mettiez, vous savez, à la pièce. C'est à 29,90€ le kilo. Et vous mettez, en fait, les assortiments que vous voulez. Et en fait, j'en ai eu pour 8,31€ pour 278 grammes. Je trouve que ça exorbitant. Exorbitant. Alors oui d'accord, le Lindt c'est cher, il y en avait qui étaient vraiment bons, notamment les petits parapluies avec un petit peu ce goût, comment ça s'appelle un peu, je sais plus comment il s'appelle ce chocolat là, mais il est plus fin et plus onctueux,
C'est un mélange de chocolat et de noisettes, je crois. Donc voilà, ça, les petits parapluies et tout, j'en aurais mangé mais une tonne. Mais après, je veux dire, l'int, on en fait une tonne. Mais bon, pour l'instant, ça ne casse pas quatre pattes à un canard, hein, on va dire, hein, ça c'est clair. Donc voilà, donc c'était juste pour vous donner un peu mes impressions sur cette marque-là. Bon, Hugo a apprécié hein, ces chocolats, d'ailleurs, bon, j'en donne que très peu, parce que sinon c'est constipation assurée, hein, et puis chez tous les enfants comme ça. Donc si vos enfants sont constipés mais qu'ils mangent beaucoup de chocolat, faut pas s'étonner, c'est le chocolat. Voilà, bon écoutez, sur ce, n'oubliez pas que la vie est belle en rose, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao. Have you ever felt? Are you listening?